Point sur cette troisième journée de course là à Palma et trois manches disputées dans des conditions pas faciles. Ouais, pas facile, le vent qui est rentré sur le plan d'eau avec pas mal de mer, c'est un vent de sud. Donc des conditions plutôt techniques. On a fait deux manches pas trop mal, en 2 fois 8e je crois. C'est la dernière en vol de départ. Mais bon, c'était donc on est disqualifié sur la troisième manche. C'était des conditions qui étaient plutôt difficiles pour nous, c'est pas des conditions qu'on aime, mais il faut qu'on en fasse. Et je trouve que de toute façon, on a progressé dans ce genre de conditions, mais on n'est pas encore dans les meilleurs dans ces conditions, ça c'est sûr. Voilà, c'est important d'en faire, faut qu'on le devienne un jour. La 3 ans, tu dis on va la 3? Ouais. Pour moi, vous voulez à 3 quoi. Par contre, il va falloir qu'on retravaille sur les distances à la ligne. Hein. Tous les deux départs, dont le deuxième. Là. Ouais. Soit vous n'avez pas de repère par rapport au vent, et ça, je vous regarde les photos d'hier là qu'on m'a envoyé. Je vous passe ce soir à Sophie 5 minutes là-dessus, là c'est vraiment important. Quand on regarde les photos, la vidéo de ce que j'ai vu, de ce qu'on a pris sur les repères, il faut que on va refaire un départ ensemble, d'accord? Et tu vas me dire les repères que tu as là, et le timing, puisque j'ai le timing sur la vidéo, les timings que tu as, et qu'on regarde. Parce que là, je ne comprends pas comment vous pouvez rester en retrait comme ça. Bon, au classement général, ce sont d'autres Français qui vous succèdent en tête, Billy Besson et Marie Rioux, qui font une belle journée avec des places de 1, 2, 1. Vous restez deuxième au classement général provisoire. Ça reste encore assez correct. Oui, c'est correct. Après, c'est sûr que aujourd'hui, le classement d'aujourd'hui, il n'est pas par rapport au reste de la flotte, il est certainement très, très beau, quoi, assez mauvais. On doit être au-delà de 10. Donc demain et après-demain, il risque encore d'y avoir du vent, donc les conditions identiques. Donc j'espère qu'on va progresser petit à petit dans ces conditions. On n'est pas loin, mais. Voilà, sur des détails et sur des prises de risque, on n'est pas encore au niveau des meilleurs, mais c'est déjà mieux que ce qu'on faisait l'an dernier. Bon, une bonne nuit là-dessus et puis en forme demain, quoi. Exactement, la journée a été longue. Merci, Franck.